Opération Bagdad derrière l'ennemi. Banque crasée, policier mouri, machin mouri, nous tous dans le pays, nous avons cette opération Bagdad fait. Après les parisides, nous prenons le carré, kidnapping. Moi, je vais chaque fois me parler, m'assumer. Ma primaire, neuf, Petroville, ma primaire, c'est des gens qui t'ont kidnappé. Gang ça, chef de Mouena, échange de tir avec BCPJ. C'était Calviello. Alors que, à l'époque, affiche la bonne carte, c'est le deuxième homme gang ça. Quand ça fait juste à présent. Allez, allez, allez. Osmojan, précision là, parce que soit cité de nos mondes, on fait des accusations, il faut chercher précision. Donne carte tout impliqué dans qui ça. Il va engager la jocaille. Oui, non, non, il faut qu'on comprenne ça, on dit. S'il y croit que nous faisons diffamation contre lui, il y a des prévenus, il y a des avocats, il y a des tribunaux, il y a des attaquants. Il y a des attaquants, s'il fait diffamation. C'est moi qui ça va bien pour la danger de il était impliqué avec qui ça? Monsieur Vini avec question de Tokaïde. T'as le. Ose moi j'en pas fin saisi. Don Kato, il était impliqué dans qui ça? Alors? Oui, Don Kato, c'était dans qui ça il était impliqué? Dans l'enlèvement, kidnapping, séquestration. Ce qui est? Ça joue jusqu'à présent, lui pile les nez. Ce qui est? Moun. Eh? Ce qui est moun? Bon. Moi, je m'a connu pour lui-même, lui connaît qui est le plus et là, il prend mon nom. Pourquoi ça, mon ça, il n'a pas voté pour lui? Comment mon nom est libéré? Lui connaît. Et l'idée, il était dans le cahier, sur route frère, cahier Chalmaï. Il était loin appartement. C'est la police de CBJ qui était libéré de l'encore dans l'appartement. Pour le président, des trois mounes balbriés, le ville de la ville. Alors, est-ce que le pays a connu l'implication missionnaire à la manche à gauche? Je dis à l'audience, c'est bataille de Tokaïbe. Mais ça mène en compte la bataille de Tokaïbe. Vous m'avez même fait pour me détourner à ce monde sous véritable criminel qui mangeait l'argent de Tokaïbe. Nous, là, dans le pays. Et j'avais jeté l'argent. Et c'est ça. Vous n'êtes pas référence pour me dire, monsieur le général Boulot, sur ma gueule. J'ai vu d'avoir le cahier cherché. J'achète mouton pied bois. J'ai vu j'achète des femmes bois dans la cahier aujourd'hui. J'achète tellement content. La balle qui est au système, vous le verrez, c'est dans le système. Tout ça, j'achète quoi? Comme directeur de GI, j'ai dit là. Et bien, il y a plein de coffres folles. Il n'y a pas toute saleté pour vous, il n'y a pas de patois. Il n'y a pas de remettre mieux l'argent. Comment comprendre, j'ai dit le président Jovenel, c'est pas pour défendre le président Jovenel. Je dis le citoyen Jovenel, t'es gagné au film. Dans le film là, il t'a gagné pour te recevoir 50 millions d'euros. On a continué. Attendez bien. Parce que si on utilise la gaille sans Pérenel, pour créer ce pays là, en complément, c'est pays à défendre, alors que la bataille 4 mènes n'a pas gagné pour la Petro-Caïbe. Président Jovenel, il y a un succès, président Jovenel, pour le matin, on ne dit pas 2% Petro-Caïbe. Parce que vous êtes caché dans la Petro-Caïbe. Il n'y a pas de caché dans la Petro-Caïbe. Moi, j'ai un autre soir que vous avez fait, sous compte Jimmy Grivois, qui s'est éliminé à quoi c'est 4 millions de gourdes. Mais pas mal de lui, alors qu'elle n'a pas de bonne bataille sous ces 4 millions d'euros. C'est ma justice, c'est ma justice. Même à dire, le cas, c'est potable, vérificateur qu'elle va là. Lui, on dirait, à part parler même le travail sur lui. Le président Jean-Paul de Faux a dit que le spécimen de recevoir ces 4 millions d'euros. Je vais faire quand il prend 7% de ces 4 millions d'euros. Alors, le travail par là est arrivé à 79%. On quitte à Gritras, on va y passer à Rose Mojan.
Merci un peu, Ousmane Jean, parce que vraiment nous gagnons un peu monde qui voulait réagir et matin là. Nous on te doit parler avec Eric Jean-Baptiste et nous allons parler tout à l'heure avec maître Claudie Gassin et maître professeur Fernando Estimé qui n'a pas pu intervenir matin émission ça donc vraiment émission ensemble pas fini nous allons jambé dans matin Caraïbes puisque tellement gagné de monde qui veut prendre la parole matin là donc Eric Jean-Baptiste qui n'est pas arrivé capable joindre on va essayer regarder là bon c'est une carte jaune et Gassan, on n'a pas Gassan en attendant parce que nous n'avons pas capable de joindre Eric Jean-Baptiste et RDNP qui ont même sorti une proposition là côté RDNP Yonchita attendez entre toute force politique, sociale, économique et paysan. Après, ils ont fait une faire constant côté gagné paysan qui est dans une situation difficile. Bon, nous parler avec Eric Jean-Baptiste. Eric Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Caraïbes, bonjour guerrier Dieu seul, bonjour à tout panel là qui là et ma mère. Et n'a salué et tout auditeur, toute auditrice qui attend nous tout partout, qui c'est ici, qui c'est l'autre bord de l'eau. Constant li alarmant, mais ça n'a pas empêché au moment de Yonchita parler. Exactement, et RDNP a vivre avec un peu de tristesse et puis avec inquiétude ou dire ça tout, constat li alarmant. Jean PIA a dégringolé chaque jour puis plus. PIA, c'est un bateau qui sans gouvernance. Donc, la situation que nous y est là, je vous dis, les plus qu'impératif pour que gagnons chita parler qui fait. Et toute société a demandé même bagaille là. Toute société a dit, faut que nous gagnions chita parler qui fait. Nous-mêmes, dans RDNP, l'on a réfléchi sur qui ça, qui problème qui gagne, qui fait que si t'as parlé ça, beaucoup j'aime qu'a fait. Nous rendons tête, nous compte que gagne trois problèmes qui fait que l'Ipa j'aime qu'a fait. Premier problème, là, c'est que l'exécutif là perdu pouvoir convocation. Parce que c'est l'exécutif là qui t'a doué là pour que l'y convoque gros si t'as parlé ça. Messieurs politiques, tout, puisque vous faites partie de crise là, eh bien, vous pas gagné pouvoir convocation ça pour réunir tout le monde. Ensuite, gagner problème financement. Qui côté l'argent a sorti qui pour financer gros chita parler ça? C'est ça que fait nous-mêmes dans RDNP. Nous faisons une proposition côté que nous dit en aller vers secteur, vers groupement, vers association. Et nous proposer pour que gagner un regroupement d'écrivains qui fait, nous proposer pour que regroupement écrivains, association médias, journalistes, association femmes, association paysans, association secteur syndical là, pour chaque ta délégué un représentant dans un comité initiative. Comité initiative ça, que yon chaque pral délégué un représentant là-dedans, là, c'est lui-même qui a le pouvoir pour le définir façon pour organiser à inviter tout secteur, toute force politique, toute force économique, toute force sociale, l'église, les jeunes qui dans différents mouvements pétrotiers à l'indio, les jeunes qui dans l'université, il y a un gros rumblé ça, gros rumblé sous avenir pays. Pour ça capable arriver fait, nous-mêmes nous allons prendre bâton pèlerinage nous pour aller vers secteur ça pour nous convaincre de nécessité ça pour que yo capable venir cette force morale qui capable de mettre tout Haïtien Chita ensemble. Et nous proposer dans RDNP, dans la mesure que nous capables, pour nous chercher moyens de financement, pour nous mettre à la disposition du comité, ça, sans aucune influence là-dedans. De telle sorte que nous capables de définir l'avenir. C'est ça qui est important aujourd'hui. C'est pas la violence qui pourra régler aucune question. La violence a toujours engendré la violence. Nous croyons que Jodia, la situation que le pays a trouvé là, c'est une situation qui m'a dit tête frette que le mandé pour nous capables toujours
gagner comme objectif ligne de bien-être commun population. C'est ça qui est objectif. Nous, RDNP, tout dans notre salle, il croit que sans procès pétro-caribéen, pays ne peut pas rejoindre stabilité et tranquillité qui est nécessaire pour avancement et progrès. Mais il y a des gens qui ont manifesté dans la rue, ou bien des dirigeants de l'opposition politique, là, qui ont même dit, avec Jovenel Moïse sous pouvoir, procès n'est pas capable de le faire. Écoutez, procès pétro-caribéen est inévitable. Cependant, il y a des stratégies qui apprennent tout pour que le procès soit écrasé. Qui stratégie qui apprennent pour que le procès soit écrasé? C'est même Jean-Dominique, par exemple, qui a une justice parce que il a toujours éliminé tout témoin, il a toujours éliminé tout le monde qui est accusé. Eh bien, je vous dis à tout, il y a des stratégies qui apprennent pour que c'est exil, le monde qui est responsable pour pouvoir reprendre, et puis automatiquement, le procès soit écrasé. Parce que, un deux processus, il y a pile caca chat qui va le dehors. Donc nous pensons là, il y a des gens qui ont servi de ça pour être capable de couvrir tête eux-mêmes. Définitivement, oui. Il y a des acteurs qui sont là, qui sont souterrains, que tout le monde connaît. Depuis avant 86 même. C'est eux-mêmes qui toujours le pouvoir. C'est eux-mêmes qui toujours a dirigé le pouvoir. Et c'est eux-mêmes, je ne veux dire, qui fin manger, qui fin voler l'argent pétro-caribéen. Et c'est eux-mêmes qui parlent que le procès a fait. Parce que eux-mêmes, ça qui intéresse eux, c'est le chambardement total. Et le chambardement total là, fin fait, et bien tout le monde, colère populaire là, va apaiser. C'est ça qui intéresse eux, et puis pas de procès. Nous-mêmes, nous pour le procès de la vérité sous l'agent pétro-caribéen. Est-ce que Éric Jean-Baptiste, ou du moins RDNP, recevoir invitation chef l'État pour rencontrer la résidence privée aujourd'hui? Malheureusement, et nous pas recevoir invitation ça, mais en même temps tout, n'a dit que les clés que pouvoir exécutif là, il perd du pouvoir de convocation. Et puisque le père du pouvoir qui est de convocation, ce n'est pas un placaille pour lui inviter mon vini. Il perd du pouvoir de convocation. C'est ça qui fait que nous-mêmes, nous prenons un bâton pèlerinage nous pour aller vers l'association. De telle sorte que l'association est capable de mettre tête ensemble, gagner pouvoir de convocation qui pourrait réunir tout, mais vraiment tout secteur. Secteur politique là, secteur privé, groupement professionnel, syndicat, association société civile, groupement paysan, pour tout le monde capable de chita ensemble pour résoudre la crise qui a dépassé avec le pays. Et qui date limite, ou du moins nous nous qui l'aime compter démarrer avec série de rencontres sérieux qui a mené nous sur rumble ça que vous parlez là en différents secteurs? Semaine ça même, nous prenons bâton pèlerinage pour nous rencontrer à tout secteur. C'est semaine ça même, nous prenons bâton pèlerinage parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Pays a campé, pays a bloqué, DGI pas de travail, pas de goutte qui a rentré. Nous avons 14 000 policiers qui sont fatigués et que à n'importe quel moment nous avons tombé devant n'importe qui déblosaille. Donc, l'urgent, l'important pour que les gens chita ensemble pour nous résoudre la crise ça qui a fini avec Haïti. Jean-Baptiste, c'est secrétaire général RDNP. Merci un peu. Merci beaucoup. Voilà, Éric Jean-Baptiste. Si RDNP pas trop recevoir invitation au chef d'État, Fédération protestante d'Haïti, t'es bel et bien recevoir invitation. Par là, nous pourrons parler avec pasteur Sylvain Exantus concernant participation ou pas à fédération dans la Contsa qui prévoit à 10h la carrière président républicain en pèlerin. Pasteur Exantus, bonjour. Oui, bonjour, pas bien temps pour saluer. Nous connaissons nous en pile. Eh bien, écoutez, Pierre-Renel, nous-mêmes, si nous t'avons participé à une rencontre aujourd'hui, ces paroles, peuple-là, nous t'avons porté. Et peuple-là, besoin de comprendre, c'est pas parce qu'on monde participe à une réunion qui fait problème, mais qui s'apprête à une réunion. Nous-mêmes, si nous t'avons participé à une réunion, nous t'avons porté paroles, peuple-là. Peuple-là dit, il n'est pas capable encore à un gouvernement qui a mené un pays à notre trou,
Et nous-mêmes, Fédération protestante d'Haïti, nous avons fait notre sortie déjà, dans le journal Le Nouveliste, nous dit capitaine Batoa, s'il n'y a pas de route là, s'il n'y a pas de mener mon côté pour aller là, c'est pour passer le gouvernement là avec l'autre monde. Nous-mêmes, comme protestants, nous intéressés qu'on est ça qui a passé, nous rencontrer l'opposition, nous rencontrer n'importe qui que nous voulons pour nous capables de connaître comment pour nous défendre le peuple là. C'est parole peuple là que nous avons porté. Nous pas gagné pour nous trahir peuple là. C'est bon côté peuple là nous y est. L'argent pétro-caribéen qui est gaspillé là. C'est pour rendre l'argent ça. Nous pas gagné trahison que nous avons fait nous-mêmes. Nous dans le pays là nous avons toute difficulté peuple là, misère peuple là. Et monde qui l'a eu responsable de misère peuple là. Nous pas gagné l'autre parole que nous avons porté sur nous qui arrive dans la réunion ça. Dimonio, bah peuple la justice. Ben, peu de la justice dans la question de Pedro Caribea, et c'est pour peuple en bonne justice. En clair, nous pas participer, pasteur. Et pas une condition pour nous participer dans la rencontre. Ça. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Sylvain Exantus. N'appelez-le, c'est encore président Fédération protestante d'Haïti concernant l'invitation chef d'État fait plusieurs secteurs dans la vie nationale, là, représentant secteur l'église, secteur privé, secteur syndical, secteur universitaire, avec classe politique, là. Oui. Avant nous, on va parler avec Fernando Estimé, maître Claudie Gassan, qui a essayé de rejoindre sans succès, puisque nous avons déjà un rendez-vous à Kyo, parce qu'il y a plein de monde vraiment qui a essayé, mais il est vraiment difficile, parce que faut que nous recevions une invitation. L'actualité politique, là, guerrier, avant d'aller à Tirivière, la Tibonite, pour être capable de connaître plus ce sacré. Week-end d'un côté, groupe Anella recommencer, frapper, nous apprendre, gagner plusieurs monde dans la population civile là, dans la zone Béra, toujours la proximité Marchand des Salines qui recevoir plusieurs balles, dans mais groupe Anella qui lui-même dans Kampala a perdu 3 soldats et formation, et nous vérifier avec journaliste local yo rapporté Anel ta recevoir balle dans niveau pied, n'a pas retourné et avec information sérieux tout à l'heure, mais l'actualité politique a gagné, j'en ai annoncé tout à l'heure, président Jovenel Moïse, la PC, joué la dernier 4 dialogues pour tenter sauver dernier année Mandalio dans mon côté la rue à travers mouvement opposition et organisation de société civile qui continue à demander là pour quitter pouvoir. Un bel invité la Kaili dans Pèlerin Mater vers 10h, représentant plusieurs secteurs dans la vie nationale là. L'objectif est pour partager Takli propre lecture sous conjoncture actuelle là dans le cadre de discussion pour déboucher sur route dialogue là selon ça nous lit dans correspondance ça cabinet chef l'État adressé by représentant secteur Sayo. Nous allons prendre certains d'entre eux déjà rejeté invitation côté secteur populaire haïtien, nous pas de confondre avec secteur démocratique et populaire principal regroupement opposition qui est d'ailleurs pas invité dans rencontre ça, mais Fédération protestante d'Haïti, selon l'information nous gagnons annoncé la présent contrairement à Religion pour la paix qui jusqu'à hier pour te confirmer participation dans rencontre ça qui prévoit pour matin à partir 10h la carrière président dans Père Lerin Guerrier. Oui, mais gagnons maître André Michel nous est blessé contacté là semble-t-il que au fond notre sortie déjà pour voir jeter en tout cas l'initiative ça. Madame Michel, bonjour. Allô? Oui, nous perdons du contact avec M. André Michel, mais bon, c'est l'inote ça, hein, le côté secteur démocratique lundi, vous voyez, j'étais bien loin, folie, fait dialogue qui prend chef d'État Jovenel Moïse, nous pas dans négociation avec Jovenel Moïse, c'est ça, M. André Michel écrit dans une note, mais bon, nous prenons un autre. M. André Michel, bonjour. Bonjour. Oui, nous avons laissé les notes que nous mettons dehors, mais commençons avec nous. Donc nous-mêmes, encore une fois, nous voulons jeter question dialogue. Là. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre-Winel Winé, saluer tout auditeur
Radio Caraïbe FM, notamment haïtien la diaspora et ça qui vit New York, qui était mobilisé pour empêcher Matéli de continuer par ses populations en tête, une population que Matéli ruinée, que Matéli mettait dans misère. Et je voulais féliciter Action, yo. Yo fait devant un restaurant, côté yo manifesté, yo dit pas d'accord. Mm-hmm. On est écrasé 4,2 milliards de dollars américains, et puis la marché raté tout partout. Haïtien mobilisé tout partout, haïtien à New York, secteur démocratique la salué. Effectivement, et guerrier, nous dit, position par nous, c'est que, question dialogue, Jovenel Moïse a parlé jeudi, hein, pour nous, c'est de la pure folie. C'est comme on est qui fait pour une maladie. Et au monde qui a une maladie, son maladie folie a yé. Moi, je dis, secteur démocratique l'a dit. Et c'est la position du secteur démocratique. Avec la publication du rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui confirme la participation de Jovenel Moïse dans la dilapidation des fonds pétrocarbés, Jovenel Moïse est devenu un véritable cadavre politique. Pas grand-yon capable de faire avec un cadavre politique. Pas grand-yon café avec un cadavre. L'impre cadavre, là, c'est pour montrer ça, ça veut dire. Au monde qui mourit, quelle que soit appréciation de voler, son cadavre, c'est dans le cimetière pour mettre. Par aucune négociation, on pourra le faire dans Chita Palais avec Jovenel Moïse. Mm-hmm. Jovenel Moïse, c'est un voleur. Jovenel Moïse, son nègre qui participait dans voler comme Pétro-Caribé. Jovenel Moïse, peuple a rejeté. Je dis, il y a un consensus dans ce pays. Consensus là, c'est sous démission Jovenel Moïse. Même des jeunes qui étaient mobilisés, qui t'ont demandé pour ce Pétro-Caribé, ils ont dit eux-mêmes, ils ont beaucoup de démission. Eh bien, automatiquement, la Cour des comptes a publié son rapport qui confirmait Jovenel Moïse et on a volé comme Pétro-Caribé. Ils ont même toujours dit c'est la démission. Secteur privé était toujours en position réservée. Secteur privé a sorti note. Il dit ce monsieur qui s'appelle Jovenel Moïse, il ne fait pas partie de la solution. L'Église catholique dit il faut que quelque chose change dans ce pays parce que tout le monde qui participait dans voler comme Pétro-Caribé obligé de mettre à la disposition de la justice. Les jeunes se sont exprimés, classe intellectuelle, des gens qui pas jamais rentré dans l'affaire politique, et qui toujours mettaient à l'écart. Ils ont dit c'est fini sans être autre, Jovenel Moïse doit démissionner. Tout le monde dit, la rue a dit, le peuple a dit, mobilisé à partir de ce moment. Jovenel Moïse n'a plus l'autorité de convocation. Ça fait nous-mêmes nous répéter, nous reprendre, nous rejetons toute possibilité de dialogue avec Jovenel Moïse, un chef d'État est corrompu jusqu'à la moelle. Nous rejetons par anticipation toute possibilité de cohabitation avec Jovenel Moïse. La solution à la crise politique actuelle passe d'abord. Est-ce que tu as quelconque, invitation qui devait rejoindre le secteur là? Est-ce que tu as quelconque invitation qui sortit dans le palais national qui vient nous joindre nous dans le cadre tentative ça, président, enfin, je dis là? Non, pas analogique ça, du tout. Ça fait, c'est pourquoi nous disons que nous ne rejetons pas anticipation. C'est-à-dire, pour ne pas même penser à ça même. Pour ne pas jamais mettre dans cette ville qui a invité le secteur démocratique dans la réunion avec Jovenel Moïse. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un rejet par anticipation et c'est une position de principe que nous avons fixée et nous reprenons position de principe. Donc, hein. Je veux dire, il est clair, les revendications du peuple haïtien sont claires. C'est un, la démission sans condition de Jovenel Moïse. D'ailleurs, dans les faits, Jovenel Moïse est un chef d'État démissionnaire. Mais c'est pas de dire rien. Lui mettait la caille de le cacher dans le rein, ou même pas qu'on côté le cacher, lui pas qu'à marcher, lui pas qu'à déplacer. Là, le fond discours dans l'académie de police, il y a courant avec la catastrophe passé dans le bois avec lui. On est caché. L'État pas fonctionné depuis passé 8 jours. L'administration publique fermée, tout bagaille fermé, pays fermé, tout ministre caché en côté, tout le monde caché. En bas qu'à bagnon, et puis il y a dirigé. Mais c'est un gouvernement, c'est un régime démissionnaire dans la. Alors, revendication peuple à clair, un, c'est la démission, deux, c'est le procès de Pétro-Caribé. Parce que justement, c'est ce procès qui doit marquer la rupture entre l'ordre ancien, le système ancien et le nouveau
système que nous allons construire dans ce pays, parce que le système actuel, système vieux de plus de 200 ans, qu'on a installé dans ce pays depuis l'assassinat du père fondateur de la patrie, c'est un système basé notamment sur l'exclusion, exclusion qui mettait à côté jeunes, aux familles, aux quartiers populaires, aux paysans, et le basé également sur la corruption. C'est la corruption qui permet aux minorités pour être riches pays, et puis qui fait aujourd'hui, dans le même pays, ça à côté deux, trois garçons avec femmes, sauter sous René Préval, passer sous Matéli, arriver sous Jocelyne Privé qui sont papa volé jusqu'à Jovenel Moïse, et bien deux, trois garçons avec femmes qui dans l'État, ils volaient plus passer 4 milliards 200 millions de dollars américains, pendant que dans le même pays ça, on gagne, et l'hôpital qui va gagner, l'hôpital général va gagner pour le gaz, ou pas qu'à ramasser Fatra, pas gagner de l'eau dans le robinet Montion, ou ne pas gagner de caille pour le domaine, il y a de dominant Fatra, il y a de dominant la boue, pas aucun projet sérieux qui fait un quartier populaire, je veux dire à ces bandits qui prennent le pays, parce que l'État abandonne le pays, et c'est dans le même pays ça, qui va gagner l'école, paysan abandonné, et dans le même pays ça, deux, trois garçons avec un bolet 4 milliards 200 millions de dollars américains. Ça fait nous dire qu'il faut faire ce procès pour marquer la rupture entre l'ordre ancien et le nouveau système qu'il faut construire. C'est bon, on a rencontré hier, qui dit que la transition doit être une transition de rupture. Et puis rien, même ça, c'est un bagage important. Et troisième bagage, c'est la conférence nationale où tout le monde chita ensemble, pas pour nous continuer avec le même système de Mimba, mais pour nous casser le système dans le dialogue, dans la concertation, parce qu'il faut construire un autre pays. Nous avons un pays qui a exclusion là-dedans, nous avons un pays côté jeunes exclus, femmes exclus, universitaires exclus, classe moyenne classe, paysans exclus, diaspora, besoin de participer dans le développement du pays, mais tel d'ailleurs, il faut construire un autre système avec un autre l'État qui est au service de tout le monde, parce que l'État ça, son l'État fait faire, c'est un groupe monde qui va défendre souveraineté pays. Mais tout à voilà l'heure. Le combat du secteur des mondes. Michel. Voilà pourquoi nous continuons le combat. Oui, bon. Oui, tout à l'heure, on parlait de pour une partie intervention, on parlait de Michel Martelly qui est à voler 4,2 milliards de dollars et après, on vient porter précision, mais c'est quand on a parlé, nous fixer un seul groupe de monde, hein, dans la cadre de revendication, pendant que depuis 2008, l'agence ça là, et depuis 2008, selon rapport à la Cour des comptes, là, donc des mondes qui a gaspillé. Non, nous n'avons jamais fait ça. Nous n'avons jamais fait ça. Nous toujours dit que Petro-Caribé, c'est pour une bataille politique partisane. Nous toujours dit Petro-Caribé, comme Petro-Caribé, c'est pour un seul groupe qui vole. Alors la vérité, c'est que l'équipe Matélia, c'est un qui vole. Et la rapport coup de compte, on le montre au lit. 70% encore blanc, 60% encore blanc, c'est au crasel. Mais ça fait une plainte nous porter. Cabinet d'instruction dans quatre batailles pour ce Petro-Caribé à fait. Là, nous commençons pour ce Petro-Caribé à 29 janvier 2018. Je veux dire qu'il y a plus de 75 qui votent plainte. Si on regarde bien la plainte là, nous commençons depuis sous Préval. Nous passons sous Martelly. Nous arrivons sous Privé, parce que Privé prend 33 millions de dollars américains. Il dépense en cachette. Moun pas jamais connaître une résolution dans la radio. Ouais? Tout le monde saisit ou après une privée de résolution et nous avons demandé à la justice dans notre plainte de mener des enquêtes solides pour déterminer les circonstances dans lesquelles divers équipes ont dépensé 33 millions de dollars américains parce que les premiers éléments d'information prouvent que ça a été de la gabegie, ça a été du gaspillage, ça a été du désol. Et nous étions jusqu'à Jovenel Moïse. C'est pour nous dire, pour nous, c'est notre position comme citoyen, tout le monde qui participe dans le code Petro-Caribé, hein, des entreprises privées qui prennent des contrats, qui ne pas exécuter des contrats, et même on est d'un coup, M. Bautista qui est dominicain, tout le monde sait faut comparaître devant la justice. Pour ça, Petro-Caribé, c'est pas la chasse à un groupe d'hommes. Pour ça, Petro-Caribé, nous pas initié, nous pas commencé pour anéantir un groupe politique. Nous commençons pour ça, Petro-Caribé, et je dis à peuple à embrasser de ce Petro-Caribé, hein. C'est pas en faveur d'un camp contre l'autre camp. C'est un procès qui doit être fait pour nous marquer la rupture entre l'ordre ancien basé sur l'exclusion et la corruption et l'ordre nouveau qui pourra le marquer pour répéter le professeur Le Sibaniga par ce qu'on appelle le respect du bien public. C'est
c'est ça lié. Mm-hmm. Le monde qui a dirigé le pays, respecter l'agent d'État, connaît leur dirigé pour 12 millions de monde, ou pas dirigé pour Fambion, pour Zambion, Jean-Marcel Vitefel, Jean-Préval Vitefel, Jean-Privert Vitefel, Jean-Joubert Vitefel. Il faut marquer cette rupture et c'est notre combat. Et m'a tout profité pour me bailler. Mon dernier bilan que nous avons hier, parce que hier dimanche, c'est 8 jours de peuple à mobiliser. Jeudi, le pays a arrêté de mobiliser, le pays a arrêté de paralyser, le pays a arrêté de bloquer. Nous avons continué à mobiliser jeudi, lundi, pour demander Jovenel Moïse de pouvoir, et le bilan est déjà très lourd. Nous avons plus passé 250 blessés que nous répertoriés. Et il y a des journalistes qui blessés également à l'occasion de l'exercice de leurs droits. Comme journaliste. Il y a des journalistes qui ont tiré sur eux avec balle. Et à bout portant, d'après ça, nous apprenons. Ceci est inacceptable. Nous condamnons le comportement de la police. Nous demandons au directeur général d'assumer ses responsabilités en faisant sanctionner ces policiers qui ont commis des actes de répression sur des citoyens, également sur des journalistes. Et si directeur de la police à Bastel, non seulement policiers qui font qui fait des audios, qui attaquent le monde, n'a mené à la justice, n'a mené tout directeur général à la justice, parce qu'il n'a pas à son là que le failli à responsabilité. Le droit de manifester, c'est un droit démocratique consacré par la Constitution, consacré par les conventions internationales ratifiées par Haïti, n'ont pas quitté Jovenel Moïse parce qu'elle voulait rester sous pouvoir pour ne pas arrêter le mettre dans le pénitencier parce qu'il volait. Pour quitter M. Bayonné et prêter le droit démocratique de la population de manifester. Bref, nous condamnons ça et nous demandons tout le monde qui a fait manifestation. À partir d'aujourd'hui, à là, prends téléphone, faire photo policier qui a fait des autres. Pour nous identifier, pour nous faire section générale sanctionner, après ça, pour mener devant la justice, parce que nous n'avons pas de cadeau. Oui, premier bilan, c'est plus facile 250 blessés. Deuxième bagaille, là, aujourd'hui, nous avons une centaine d'arrestations et nous avons 10 personnes qui sont assassinées pendant les 9 derniers jours de mobilisation. Cela est inacceptable. Encore une fois, on a félicité et remercié l'hôpital Benabès qui n'est pas suspendu. Bay moun yo soin pour secteur démocratique. Là, tout le monde qui est allé ben d'Ameuse, depuis yo dit c'est secteur démocratique. André Michel qui voye yo, eh bien yo ouvre porte la pour yo, yo bay yo soin. C'est un geste citoyen, c'est un geste professionnel, parce que l'homme médecin ou réaliser ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate, quand on décide pour bay la vie, à quel que soit monde qui a difficulté, à quel que soit camp politique moun appartenu, comme j'en moi même comme avocat, me fait serment pour me défendre le droit, pour me défendre la liberté dans n'importe quelle circonstance.